Bonjour, Ghislain Vachon, coordonnateur pour la télévision communautaire des Basques du Haut-Pays. Je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous annoncer un peu qu'est-ce qui va se passer dans la nouvelle saison 2021-2022. Bien évidemment, nous avons le bulletin de nouvelles qui revient deux fois par jour, 7 jours par semaine. Dans l'émission Dans nos régions, malheureusement, ne revient pas cette année. L'émission n'est pas cancellée en tant que telle. Nous n'avons pas abandonné de projet d'émission Dans nos régions. Simplement, c'est qu'il n'y a pas eu d'activité qu'on a pu capter pour combler cette programmation-là. Donc, cette année, Dans nos régions, ne revient pas. Bien évidemment, il y a les quilles. Donc, encore une fois, c'est la Ligue élite des Basques qui joue tous les vendredis soirs ici à Trois-Pistoles. Donc, captation des 34 matchs de la saison régulière. Vous avez Place aux aînés qui revient pour une deuxième année. Donc, d'ailleurs, nous sommes dans les décors de Place aux aînés ici, les nouveaux décors. Vous avez des récits de vie, vous avez les descriptions d'organismes, et puis vous avez des entrevues avec les personnes qui interviennent auprès des aînés. Malheureusement, cette année, Vision Rap, notre émission de musique, ne revient pas pour différentes raisons. Par contre, En équilibre revient cette année avec Marie-Claude Bouchard, avec du Pilates. Vous allez avoir ça tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à 11h. Vous êtes des Elohim avec Anne-Marie Ouellette, qui revient également cet automne. Vous avez bien sûr la messe qui est à 10h tous les dimanches. Il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver. On vient de terminer. Vous avez sans doute entendu parler de ça dans les journaux. Le gouvernement nous a accordé une subvention afin de pouvoir réaliser une série qui était basée sur les archives de la télévision Télébasque Réseau. Donc, toutes les archives qui avaient été accumulées depuis 2003, les bulletins de nouvelles, ont été repris, ont été indexés. Ça va être disponible gratuitement à partir de notre site sur Internet. Donc, vous allez pouvoir vous taper un nom, par hasard, je ne sais pas, moi, Claude Guimond. Vous allez taper Claude Guimond, pour ceux qui ne savent pas c'est qui. Claude Guimond, c'est un ancien député ici à Rimouski. Vous allez taper Claude Guimond, vous allez avoir toutes les émissions où Claude Guimond apparaît et le temps exactement dans la vidéo où est-ce qu'il apparaît. Ça va être très bien là, pour les gens là, qui veulent revoir un petit peu là, des images du passé. Donc, vous savez que le bulletin de nouvelles s'appelait « Le monde nous regarde » à l'époque. Maintenant, l'émission va s'appeler « Le monde nous regardait ». Ça va être 16 épisodes, 16 émissions qui vont être tirées avec un sujet thématique. Donc, ça va être disponible bientôt, autant en ligne que sur nos ondes. Puis, bien évidemment, vous savez, Derry Télécom a été racheté par Cogeco. C'est une transaction majeure ici au Québec. Ça changera pas grand-chose sur la programmation de la télévision communautaire. Ça va peut-être finir par changer quelque chose chez vous, mais ça, vous allez être averti d'avance. Ça va être plus Cogeco qui va faire ça. Nous, c'est simplement pour vous dire, peu importe qui est le câble distributeur, la télévision communautaire va quand même demeurer. Vous savez, une télévision communautaire, ben, ça prend des membres. Hein. C'est comme tous les organismes communautaires, la plupart du temps, il faut vendre des cartes de membres. La télévision communautaire ici n'est pas exempte de ça. Ça prouve aussi au ministère que le service est apprécié autant au niveau des citoyens que des entreprises du territoire où la télévision communautaire émet. Donc, c'est 5 $ pour un an, la carte de membre. Vous avez le droit à une petite annonce qui, normalement, vous coûterait 20 $ pour 2 semaines. Donc, si vous avez quelque chose à annoncer, pour 5 $, c'est une pierre deux coups, vous devenez membre de la télévision communautaire, ça nous donne un coup de main. Et votre petite annonce, au lieu de vous coûter 20 $, elle va vous avoir coûté 5 $ avec l'achat de votre carte. Simplement, rappelez, si vous avez des activités ou si vous avez des sujets que vous voudriez entendre parler à la télévision, n'hésitez pas à nous contacter. On est disponible pour ça. Donc, soit moi, Marc-André ou Luc, vous pouvez nous rejoindre au 418-851-4000. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Merci beaucoup et bonne saison.